Le chef de file de l'opposition a qualifié de ridicule la sortie médiatique du directeur général de la police nationale, Ansoumane Baf Camara, qui a assuré mercredi soir que les forces de l'ordre n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène dans le cimetière de Bambeto. Le comble du ridicule, c'est quand j'ai entendu un haut responsable de la police dire que c'est le vent qui a orienté les bombes lacrymogènes dans le cimetière et aux alentours de la mosquée de Bambeto, riposte Seloud Alain Diallo qui s'exprimait à l'esplanade du stade du 28 septembre en marge de la marche du FNDC. Ils sont venus ramasser et confisquer toutes les caisses qui avaient à transporter nos camarades. Elles sont confisquées à la CMI numéro 1 de Cameroun. Les agents des forces de sécurité sont devenus inhumains. Dans notre culture, la mort réconcilie les hommes. Tout le monde vient compatir à la douleur de la famille et pleurer. Mais pour eux, la mort est une source de violence, martèle le dirigeant du principal parti de l'opposition guinéenne. Ce qui l'amène à dire qu'Alpha Condé a perdu le sens de la raison. Je pense que c'est son âge. Sinon, comment laisser commettre des actes que des sanctions ne tombent le lendemain s'il était soucieux du devenir et de la cohésion de notre société?